Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo réaction, celui d'un guitariste qui joue avec une seule corde, et il s'appelle Brushy Run String, et on écoute ça. C'est one scotch, c'est one bourbon man, one beer, one scotch. Donc voilà, comme tu peux le voir, il joue avec une guitare acoustique avec qu'une seule corde, et c'est un peu sa marque de fabrique, il le joue tout le temps comme ça. Donc là, je crois qu'il a une Fender, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a une Fender. Et si tu regardes bien au niveau du scié, donc là où la corde se repose, donc le scié est assez conséquent. Donc il aimerait justement, j'ai l'impression, pour avoir une bonne attaque, remonter la corde. Donc on écoute la suite. Voilà, il est avec son ami qui s'appelle Kupati, qui fait les chœurs. Et donc la voix lead, c'est Brushy One String. Alors là, en fait, ce qu'il a fait, c'est un stop time. Donc on a cet effet-là qui est très puissant en musique, même s'il n'y a pas beaucoup d'instruments. Je vais te le remettre juste avant et tu vas voir. Donc, il va arrêter l'accompagnement et je vais essayer de compter aussi en même temps pour que tu vois combien de temps ça prend. Et c'est un effet qui est très puissant parce que ça nous donne envie d'aller vers la suite. Donc, je vais remettre un petit peu avant. Ok, donc juste avec ça, déjà c'est intéressant parce que forcément il va pas s'arrêter n'importe comment et le stop time peut fonctionner bien sûr en groupe et on le retrouve dans pas mal de musique. Et là, il le fait sur 8 ans, donc bien entendu, il faudra taper le tempo avant pour arriver à se repérer par rapport à ça. Alors, je sais pas pour toi, mais moi j'adore sa voix, c'est vraiment très prenant et très puissant. Alors pour ceux que ça intéresse, il utilise donc la corde numéro 5. Tu vois bien, il n'y a bien qu'une seule mécanique. Donc les mécaniques, c'est ce qu'il y a donc là-haut. Et il en a installé, enfin laissé en tout cas une seule, et il a tout démonté. Mais à mon avis, il doit prendre une corde numéro 6, donc la corde la plus grave, pour la positionner finalement en corde numéro 5, pour que ça soit un peu plus confortable aussi, comme un peu l'histoire du scié. Et d'ailleurs, je vais regarder un petit peu quel accord il fait. D'ailleurs, je vais essayer de voir si les accords fonctionnent. Juste avant de revenir sur les accords, là tu vois, il fait comme ça, donc comme s'il marche sur les cordes. Et ça, c'est une technique qu'on appelle la technique butée. Donc on va attaquer les cordes et les doigts vont s'arrêter quelque part, donc soit sur une autre corde, mais là dans son cas, c'est sur la caisse de la guitare. Et ça nous donne aussi, je sais pas si tu l'as entendu, une sorte d'effet percussif, bien sûr, parce que tu as la caisse de la guitare qui va à elle seule donc résonner et donner un peu plus de variation dans son instrument en fait. Et bien entendu, c'est une technique qui est utilisée aussi par les bassistes. Donc là, j'ai l'impression qu'il justement il utilise sa guitare comme plutôt une guitare basse. Donc il n'a pas des notes trop aiguës, il a des notes graves avec sa corde là. Et donc les accords, c'est bien Fa majeur et Sol mineur. Alors si tu regardes bien un peu ses doigts, donc il va faire pas mal d'aller-retour sur le manche et on appelle ça un démanché. Et bien entendu, sur la guitare, on va essayer d'éviter ça un maximum parce que ça nous fatigue. Il faut forcément qu'il regarde sa guitare pour se repérer. On va regarder donc ses yeux et à quel moment il regarde sa guitare et à quel moment il regarde pas, bien entendu. Donc effectivement, il regarde à chaque fois uniquement quand il va faire ce démanché là, sa guitare. One baby man, one beer.
Voilà. Donc moi je trouve que cette vidéo est super motivante parce que ce que j'en retiens c'est que voilà il fait avec ce qu'il a et bien sûr il a fait en plus il a appuyé cet aspect-là parce qu'il s'appelle Brushing One String donc il joue tout le temps avec une guitare qui a qu'une seule corde et ça arrive. Je te laisse regarder bien sûr le lien de cette vidéo est dans la description et ça lui arrive des fois que la seule corde qu'il a pète. Et du coup là, il pourra pas, bien entendu, jouer. Et du coup, voilà, c'est intéressant et c'est super encourageant. Voilà, la musique existe un peu à toutes les sauces. Et personne, à mon avis, hein, je pense, personne va lui en vouloir de le faire comme ça parce que c'est vraiment pas conventionnel. Mais sa musique fonctionne, sa voix est super, donc il s'accompagne avec la guitare, c'est pas un instrument qui va faire des solos. Il s'accompagne très bien et ça lui suffit apparemment et donc c'est super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un format un petit peu différent, le format réaction. Fais-le-moi savoir si ça te plaît. Et je te dis bien entendu à la fois prochaine et bonne pratique à vous. Allez, salut.